Bonjour Fix. Bonjour Colin. Aujourd'hui nous allons parler plutôt de technique et notamment ce qui passe à l'entrée d'eau et sortie d'eau. Voilà. Donc entrée d'eau, il faut, pour moi c'est clair, c'est le moment où on arrive au bord de l'eau. Donc on a déjà fait tout ce qui est transition avant, on s'est changé avant, etc. Et là c'est vraiment au moment de se mettre à l'eau. Voilà, on ne parle pas de technique, du style, l'échelle, etc. Non, non, ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est un autre sujet. D'accord. Donc alors il y a des cas différents entre si on est en entraînement ou en course. Donc si on parle par exemple en course, la première chose c'est visualiser où est-ce qu'on va quand on va nager. Donc pour moi c'est le boulot des deux à la fois. C'est sûr qu'il y en a un qui va plutôt naviguer que l'autre, celui ou celle qui va être devant. Mais il faut bien visualiser, prendre les amers, tenir compte des courants, des vagues, du vent, pour savoir dans quelle direction je pars, à quel endroit. Donc concrètement, le binôme se parle à ce moment-là. Absolument. Oui. La responsabilité de navigation doit être co-gérée, parce que si quelque chose arrive à un, qu'est-ce qu'on fait si l'autre ne sait pas où on va? Oui, totalement. Et donc du coup, quand on arrive à l'entrée d'eau, il peut y avoir plusieurs possibilités, hein. Soit si notre route douce, il suffit de rentrer et de marcher dans l'eau, voilà, soit on a une configuration plus technique, on a besoin de faire un saut. Voilà. Alors les sauts, bon, d'abord on rappelle, on saute toujours les pieds en avant, jamais on plonge en course. Bah parce que tout simplement, il y a deux bonnes raisons. La première, c'est que si on touche le fond avec les pieds, au pire, on va faire peut-être se fouler la cheville. Alors que si on se casse la nuque, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Donc ça, il y a un simple problème de ce côté-là. Deuxièmement, parce que quand on plonge, on est plus hydrodynamique, donc on va pénétrer dans l'eau plus profond. Donc c'est simple, pied devant, pas de discussion. Et c'est même une règle sur la plupart des sous-marins. C'est une règle sur la plupart des sous-marins, effectivement. Ouais. À peu près quelle marge peut-on se... Admettons qu'on soit à l'entraînement. Oui. Je suppose que ça vaut la peine de ne pas sauter et de reconnaître un petit peu la profondeur avant. Voilà, tout à fait. Alors il y a des cas de figure différents. Si l'eau est absolument limpide et cristalline, où on voit mieux, les cas où on voit très mal le fond, il faut reconnaître avant. Il faut descendre dans l'eau doucement. Pourquoi? Parce que premièrement, on peut avoir des problèmes de diffraction et pas très bien percevoir la profondeur. Et faire une erreur, donc croire qu'on a un mètre de haut alors qu'il n'y en a que 50 cm. D'autre part, il y a toujours le danger d'avoir des objets immergés. C'est-à-dire, par exemple, ne serait-ce qu'une branche d'un arbre dans un lac ou d'une rivière qui pointe vers le haut, on peut vraiment se faire très 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 mal là-dessus. Donc on ne saute pas dans les endroits qu'on n'a pas reconnus. Oui, mais ça m'est arrivé une fois, justement, cette aventure. J'avais des lunettes un peu fumées et j'ai vraiment mal estimé le saut et j'ai sauté dans 50 cm d'eau, les pieds d'eau évidemment, mais j'étais vraiment surpris et du coup je me suis un peu tordu le genou. Donc même moi qui ai beaucoup d'expérience là-dessus, j'étais pris en faute et je me suis fait rappeler à l'ordre. Donc ça c'est primordial. Alors si on veut vraiment une règle, une fois qu'on a bien reconnu, qu'on sait les profondeurs, après évidemment ça dépend de la hauteur de laquelle on saute. C'est pas la même chose si on saute de 50 cm, d'un mètre ou deux mètres. Donc grosso modo on peut estimer que pour être à peu près en sécurité qu'il faut doubler la hauteur, la profondeur à laquelle on plonge. Donc si on saute de 1 mètre, on va dire il faut 2 mètres de profondeur. Ouais, c'est une grosse marge de sécurité. C'est une grosse marge de sécurité, mais il vaut mieux être en sécurité que prendre de trop gros risques. On peut conserver la longe pour sauter à deux. Alors, pour la longe, tout à fait. Alors ça c'est important surtout en course. Là il faut la coordination. Il faut faire très attention à, par exemple, que le premier saute, ne saute pas, alors que l'autre n'est pas tout à fait prêt, en train de remettre les lunettes ou faire quoi que ce soit, en train de reprendre son équilibre. Il y a des endroits, c'est difficile d'être côte à côte. Donc il faut vraiment faire attention, se coordonner vraiment correctement. Et il faut attendre aussi que les autres aient fini de plonger et réapparaître avant de sauter. Parce que... On ne saute pas sur la compétition, non. Ça, c'est pas... Là, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Après, quand on saute sur les rochers, parfois, il y a des moments où on ne peut pas descendre très très doucement. Et c'est mieux de sauter ensemble, plutôt que descendre à deux en glissant, en retombant sur les fesses, etc. Mais là, encore une fois, il faut reconnaître et savoir où on est. S'il y a une configuration où il y a des vagues, donc le niveau de la mer monte et descend, vaut mieux se coordonner quand la mer est haute,
La vague est haute. Alors, le bon timing, idéalement, c'est de sauter quand la vague est en train de monter. En train de monter. Puisque donc, il va nous falloir, par exemple, une seconde pour entrer dans l'eau. Et donc, il faut arriver à avoir le bon timing là. Ça, c'est très difficile. S'il y a des vagues, il faut vraiment faire attention au ressac qui peut nous ramener sur les rochers. Donc, en général, c'est un grand pas en avant. On essaie de sauter. Et le plus loin possible. Voilà. Sinon, le plus long possible, au moins un bon mètre, un bon pas, sans essayer d'exagérer parce qu'on risque de glisser et de perdre le contrôle. Oui, donc d'accord, il faut vraiment assurer le coup en mode compétition ou entraînement. Il ne faut pas se rater au moment de l'appel de pied. Voilà. Et en mode entraînement, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il y a aussi des contraintes écologiques qu'il faut garder à l'esprit. Donc en course, normalement, les organisateurs se sont occupés de ça, on ne se pose pas de questions, mais en mode off, en mode entraînement, on aime le milieu, on aime la nature, il faut le respecter, donc il faut vraiment regarder où est-ce qu'on va sauter. Est-ce qu'il y a un biotope qui est fragile à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a, par exemple, des objets glissants, des objets coupants, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, et c'est pas parce qu'on arrive et qu'on dit tiens je vais sauter à l'eau ici que c'est le bon endroit. Parfois il faut faire un petit détour et descendre à une plage ou à un quai ou quelque chose comme ça. Mais paradoxalement, le fait de plonger et de ne pas toucher la flore marine, c'est mieux pour l'écologie. Tout à fait. Donc si on avance dans une zone protégée, il vaut mieux sauter en pleine mer et ne pas toucher la flore sous-marine. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des endroits où il y a des marées par exemple. Donc on peut arriver à, par exemple à marée basse, où en fait on est en train de marcher sur des espèces protégées marines qui à ce moment-là sont découvertes. Ouais. Donc là c'est une bonne transition pour parler des sorties d'eau. Oui, oui. Alors sorties d'eau, bon, le problème écologique est exactement le même. Amplifié parce qu'on va quand même passer plus de temps. Je ne connais pas grand monde qui arrive à sauter de l'eau directement sur les rochers. C'est peut-être une nouvelle technique à inventer pour le futur. Mais donc on va faire attention à ça. Les vagues sont plus dangereuses en fait qu'en entrée d'eau, parce qu'on va passer plus de temps et on va voir les vagues dans le dos, donc ils vont avoir tendance à nous pousser sur les rochers, donc il faut faire très très attention à cet aspect-là. Moi, souvent, je compte le nombre de secondes entre les vagues. Oui. Ça me laisse l'intervalle de sortie d'eau. Et est-ce que ça vaut la peine de, entre guillemets, de se désencorder? Et il y en a un qui va, il monte sur le rocher et après, il peut nous tendre la main pour nous faire monter vite. Ouais, je vois exactement à quoi tu penses. On a eu des entraînements, des grosses vagues où on a fait exactement ça. Oui, je pense que c'est mieux parce qu'encore une fois, c'est déjà suffisamment difficile de se coordonner soi-même, le timing, la synchronisation avec les vagues. Si en plus on a le binôme, c'est, par exemple, si tu as une onde de 2 secondes, ça donne que 2 secondes au binôme suivant pour sortir. Oui, se désencorder à ce moment-là est probablement bénéfique. Ouais, et aussi... Moi, ce que je dis aux débutants, c'est si par malheur vous n'avez pas le temps de monter en 2 secondes, au moins de pas s'accrocher au mur inutilement, de repartir avec la vague. Oui. C'est comme en mer. Les marins disent toujours c'est les rochers qui sont dangereux, c'est la terre qui est dangereuse. Donc il vaut mieux retourner à l'eau, attendre quelques secondes, reprendre ses esprits, etc. et repartir. Il y a aussi le binôme qui peut aider. Le premier, dès qu'il est sorti de l'eau, c'est pas fini, la sortie de l'eau n'est pas finie. On se retourne pour aider le là, c'est vrai, c'est vraiment vital. C'est vrai. C'est pas des bêtises. Non. Là, on compte vraiment sur l'aide du binôme. Et toute la puissance de la sécurité en binôme de Swimrun, là, prend tout son sens. Tout à fait. Donc la zone, tu confirmes que la zone de sécurité est quand même à l'écart des rochers. On arrive, on analyse, on se concerte, et puis il va chercher à son tour. Voilà. Et il ne faut pas oublier quand même que c'est pas parce qu'une fois c'est passé parfaitement là que le lendemain ça ne sera pas différent. Les vagues vont changer très légèrement d'angle en fonction du vent, il peut y avoir la marée, il peut y avoir des courants qu'on n'a pas perçus, donc il faut vraiment faire attention. Par contre, en mode compétition, c'est peut-être facile, on va dire. Alors, en mode compétition, c'est normalement plus facile. Je me souviens de sortie du Peak Swim où c'était bien chaud à l'Otilo, ou des rochers très, très glissants, ou alors à d'autres courses. Le questionnement écologique devrait être résolu par l'organisateur, donc ça, c'est pas un problème. On a en addition le problème de temps, qu'on veut gagner le plus de temps. Mais effectivement, là, on a un avantage en entraînement, c'est qu'en compétition, c'est qu'on peut regarder ce que les adversaires font.
les autres compétiteurs, ils sont là et puis on regarde où ils sont sortis. Parce que généralement, dans les rochers, on peut sortir un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Même si c'est un mètre d'écart, ça fait une différence. D'accord. Bah, écoute, merci, Fix. De rien. C'était éclaircissement et. Plus qu'à se jeter à l'eau. Voilà. Allez.